On se retrouve aujourd'hui pour une bonne petite séance mix où on va faire travailler nos abdos et les jambes. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans mal et rebelle. Pour cet entraînement, je vous propose de me suivre. On va faire deux tours de plusieurs exercices. 30 secondes de travail suivi de 30 secondes de récupération pendant lesquelles je vous montre l'exercice suivant. Pensez à vous hydrater pendant vos séances de sport et pendant toute la journée, c'est très important. Un petit coucou à mes abonnés fidèles, merci d'être avec moi aujourd'hui. Et merci pour tous vos messages que vous m'envoyez. Je continue à les lire et à répondre à tout le monde. Ne vous arrêtez pas. Et si vous n'êtes pas encore avec nous, c'est facile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite cloche, elle vous informe de la sortie des vidéos. Un petit mot aussi sur la méthode AquaActive dont je suis fondatrice. Ce sont des exercices de renforcement musculaire pour tout le corps et essentiellement les muscles profonds. La particularité de cette méthode est qu'elle se passe entièrement dans l'eau. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un lien juste sous cette vidéo dans la description. Pensez aussi à faire un petit tour dans ma playlist Les conseils de Cécile. Vous verrez, il y a des choses sympas. En attendant, vous êtes venu vers moi pour faire du sport, on y va. C'est parti ensemble pour un petit échauffement rapide. On inspire et on souffle profondément, on fait des grands mouvements, on se remplit d'oxygène et on se prépare mentalement et physiquement à faire une bonne séance. Les mains sur les épaules, on tourne son buste et on laisse passer ses pieds pour ne pas bloquer au niveau du dos. Je vous rappelle que le sport, c'est un vrai moment de plaisir. Il faut en profiter et je vous félicite déjà d'avoir pris la décision de faire la séance. Allez, on continue de manière dynamique. Et on termine avec quelques assouplissements. On se prépare, vous voyez déjà le tout premier exercice. Allez, encore quelques secondes. Et c'est parti, on vient monter très haut son genou en direction des deux mains. On prend son temps, on serre bien ses abdominaux, on rentre son ventre, c'est très important. Et surtout, on respire régulièrement. Très bien, 30 secondes de pause. On souffle bien, récupérez. Pour 30 secondes de squat. Allez, on descend, pas très bas. On maintient son dos bien à plat. Et surtout, on ne bloque pas sa respiration. Gainez votre ventre, rentrez votre nombril. C'est très bien, allez, 30 secondes de récupération, on souffle bien, on se détend. Derrière la tête et on vient monter son genou vers le coude opposé. Je vous rappelle que c'est les abdominaux qui travaillent et qui vous aident à monter cette jambe. Faites-le avec votre rythme surtout. Allez, je vous encourage. Seconde de pause, bravo.
sert de ses bras pour ramener son genou. On fait bien travailler la jambe d'appui qui ne bouge pas. Sa seule action, c'est de monter et descendre. Allez, vous allez vite sentir la cuisse. Attention, serrez bien vos abdos, gardez votre dos droit. Voilà, très bien, 30 secondes de pause, vous avez bien besoin de souffler, récupérez bien, on va se préparer pour l'autre jambe. Allez, c'est parti, pendant 30 secondes, on monte son genou et on va chercher avec le pied le plus loin possible derrière pour bien faire travailler sa jambe d'appui. Allez, comme moi, gardez le sourire, on s'éclate et je sais qu'on est nombreuses, c'est vraiment génial. Secondes pour souffler, on a bien mérité la pause. On a toujours les mains derrière la tête et on monte un genou après l'autre en direction du coude. Et cette fois-ci, c'est sur le côté. Allez, une fois à droite, une fois à gauche. Gardez le rythme, serrez vos abdominaux. Très bien, 30 secondes de pause. Bonne nouvelle, il ne reste plus qu'un exercice de cette première boucle. Et oui, déjà, ça passe très très vite, alors il faut en profiter. Allez, on monte sur ses orteils. Un maximum de fois, on fait travailler ses mollets. C'est génial, 45 secondes de récupération. Vous pouvez prendre le temps de boire un petit peu, de bien souffler et de vous détendre. On va repartir pour les mêmes exercices. C'est la deuxième série. Allez, c'est parti. On monte bien haut son genou. Une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Respirez régulièrement. Serrez vos abdominaux. Allez, on s'accroche. Ça va vite passer ce deuxième tour. Profitez-en. Secondes de pause. Soufflez bien.
squats. Allez, allez, on descend le dos bien droit. Serrez votre ventre. Respirez toujours normalement. C'est très, très bien ce que vous faites. Bravo à vous. Super, 30 secondes de pause. Allez, on voit cette ligne d'arrivée, elle est pas loin. I go anywhere, anywhere with you, 'cause you feel my mind, oh you feel. Allez, go, je monte. Un genou après l'autre, cette fois-ci en direction du coude opposé. Ça fait bien travailler les abdos, tout ça. Et 30 secondes de pause. On le tire son genou vers l'avant. On fait un maximum de répétitions. Elle va chauffer cette cuisse. Allez, je sais que vous aimez ça. Si c'est difficile, regardez le chronomètre. Et 30 secondes de récupération. Allez, le plus dur est fait. Je continue à vous encourager. Montez bien votre genou, c'est l'autre jambe qui travaille. Secondes de récupération. On est bientôt au bout de la séance. Je vous félicite déjà. Allez, restez avec moi. C'est pas encore fini. Et on y va, 30 secondes, on monte ses genoux, une fois à droite, une fois à gauche, en direction du coude. Allez, on serre bien son ventre à chaque fois, c'est une super séance. Et 30 secondes de récupération, c'est les dernières.
fait travailler encore une fois ses petits mollets. Allez, on monte sur ses orteils un maximum de fois sur 30 secondes. Bravo, je vous félicite, super séance. Pensez à me mettre un petit like si vous avez aimé cet entraînement. Et si vous voulez continuer à faire du sport, je vous propose d'enchaîner avec cette séance. Sinon, comme d'habitude, terminez avec une bonne séance d'étirement. N'hésitez pas à m'écrire, abonnez-vous, partagez un maximum tout autour de vous. On est vraiment beaucoup de belles et rebelles chaque jour. C'est merveilleux pour moi, vous êtes un super cadeau. Je vous remercie de votre fidélité. Et merci d'être venu faire cette séance avec moi. Prenez soin de vous et surtout restez belles et rebelles. Je vous dis à très très vite. Bye bye.